également. Mais ça va partir du pied gauche de Varol Tazar. Et c'était plutôt bien tenté. Marvin Hitz, premier arrêt après moins de 2 minutes. Important, bel arrêt de Marvin Hitz. Qui... Seulement 4 points sur 15 possibles. Alors là, il y a faute, mais le ballon est toujours jouable. Et Tazar qui va pouvoir se rapprocher du but. Frappé de marquer. Avec un assist de Kevin Martin à la clé. Effectivement, ça ne m'étonne pas que ce soit un bouclier. Et le jeu qui se poursuit, les sifflets du stade municipal. Dreger, Dreger qui essaye d'y aller en 1 contre 1 face à Le Pogam. Le ballon dans la surface. Et la frappe. Et le but, sans problème. Première frappe et but. Et évidemment, on n'est pas du tout content. Marco Schellibaum est fou furieux là. Mais on le comprend, il n'est pas content du tout. Et regardez, regardez Tazar qui vient également donner son avis là-dessus. Avec dans la maîtrise qu'on aurait pu le penser. Ballon pour Tazar, Tazar encore, Tazar toujours. Tazar, ça passe tout près, mais c'est pas but parce que Marvin Hitz s'est passé par là. Marvin Hitz a dévié au corner. C'est une très très belle occasion. Attention, Dani, attention. Tazar, Tazar qui lève la tête et qui monte le cadre. Oh là là. Quel arrêt de Marvin. Corner. Alors, et c'est un très très beau duel. Hein, c'est le... Passer le corner. Corner à deux. Ballon deuxième poteau. C'est goal pour Yverdon. 47e minute. Lisiero. Le but signé Lisiero. Titularisation Super League et premier but pour le Brésilien. Au retour des vestiaires. Sur le mercato aussi, être allé chercher Cespedes. Oh, attention à ce lob. Kevin Martin qui va regarder ce ballon rebondir sur le poteau. Aïe, aïe, aïe. Comment on appelle ça, Kevin, quand... Ah, c'est la baraka, Dani. Ok, c'est la baraka, ça marche. C'est les... Apparemment, on dit que c'est les grands gardiens. Sautier qui peut rendre le ballon à Rodriguez qui va partir. Attention, là il y a des solutions dans l'axe et on peut le donner. C'est le poteau. C'est le poteau, le premier poteau d'Yverdon cette saison. C'est pas terminé avec Rodriguez qui rentre dans la surface. Ce sera un corner. Le corner pour Yverdon à 10 minutes de la fin. On passe tout tout près du 3-1. Mayus qui a Yverdon son premier but en Super League à Neuchâtel. Et il n'est pas passé loin cette fois-ci, c'est dedans. Voilà, c'était qu'une question de temps. Aymen Mayus, 3 pour Yverdon. Quelques secondes après ce poteau. Si les deux premiers se sont imposés, eh bien, ça peut aussi donner des idées. Attention. Alors, on demande une main, on demande et la barre. Qui fonctionne, ça c'est une bonne chose parce qu'on a parlé tout à l'heure aussi avec Marco De Gennaro qui nous disait voilà, hier soir à minuit tout semblait prêt, la VAR fonctionnait, tout semblait fonctionner. Qui attend le coup de sifflet de monsieur Fenrich. Jean-Kevin Augustin qui prend son élan tout tranquillement, qui frappe et qui marque. 3 à 2, plus qu'un but de retard pour le FC Ball. Et là encore. Alors c'est leur premier match au stade municipal. Rodriguez pour Kevin Carlos, Kevin Carlos qui s'échappe, Kevin Carlos, l'arrêt de Marvin Hitz. Ça continue, attention. Ça continue avec Rodriguez qui va essayer de garder ce ballon dans le rectangle de jeu. Le petit passement de jambe. Ça va le faire. Ça devrait le faire contre le FC Ball.